Bonjour, j'attends toujours quelques instants pour que vous soyez informés du direct, pour vous laisser le temps de me rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Alors les premières personnes qui arrivent, ce serait super chouette de me dire si l'image et le son sont OK. Je vous espère en belle forme. On est. Bonjour Caro. Tu m'entends bien? Ok, super. Merci, Gigo. On se retrouve ce mois-ci pour vous parler. Alors, le titre de cette conférence, c'est Pourquoi et comment développer une utilisation consciente des huiles essentielles. J'en parle très souvent de ça et j'avais... Bonjour Colette, merci. J'avais également... Attendez, je vous mettez plein de messages. Ok, merci Pascal pour cette information. C'est le jour des énergies d'amour de Vénus. Ok. Bonjour Marie-Laurence, merci, bienvenue à toi. Oui, je vais bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, c'est un sujet que j'aborde très souvent et qui me tient à cœur, vous le savez. Je vous en avais déjà parlé dans une... il y a quelques mois, enfin, ça date de l'année passée, où j'avais... le titre, c'était « Rencontrer le monde végétal grâce au parfum des huiles essentielles ». Et dans cette conférence que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Myrtea, je mettais vraiment l'accent sur toute la production des huiles essentielles. Alors, souvent, je répète un peu les mêmes choses. N'oublions pas que derrière un flacon d'huile essentielle, il y a une plante, un arbre, il y a un organisme vivant. Il y a tout un écosystème, en fait. Il y a une plante, oui, mais cette plante peut produire des huiles essentielles. Enfin, elle peut synthétiser son essence grâce à toutes les espèces végétales aussi qui font partie de son écosystème. Grâce également à l'énergie du soleil, à la pluie, au vent, l'énergie de la terre. Grâce aux animaux, aux insectes, c'est tout un écosystème vivant et vibrant. Donc, elle n'œuvre pas toute seule, la plante, pour nous offrir une essence et ensuite, par le biais de la distillation, une huile essentielle. Donc, je démarre toujours là-dessus parce qu'il est important, si c'est nouveau pour vous cette notion, que derrière votre flacon, oui, il y a une plante, il y a le monde végétal et il y a également un partenariat, disons, une co-création entre le monde végétal et l'humain. Je vais surtout mettre en lumière les productions artisanales, les petites productions. Tout ce travail, ces connaissances, cette patience et cet amour qu'ont les artisans, les petits artisans, pour le végétal. Et la majorité du temps, hein, tout cet amour qui a un impact sur la production, sur la qualité des huiles essentielles, vous ne le retrouverez pas sur un mode industriel, sur une production industrielle. C'est pas compatible selon moi. Voilà. Donc, à retenir, c'est que non, les huiles essentielles, ce n'est pas banal. Lorsque on parle de plus en plus d'aromathérapie, on incite les gens à se former à l'aromathérapie, ça veut dire aussi du coup utiliser, il y a plus de personnes qui utilisent les huiles essentielles et plus on se forme, plus on peut être amené à en intégrer un peu plus dans notre quotidien.
avoir plus de facilité, de confiance dans leur utilisation et peut-être d'en utiliser beaucoup plus qu'avant. Alors, j'ai envie vraiment de ramener du bon sens et parce que, attention, ma pratique à moi a énormément évolué. J'ai eu rapidement cet engouement pour les huiles essentielles. Il y a déjà, je crois que je ne sais plus en quelle année, si en 2007, j'ai rencontré les huiles essentielles lorsque je travaillais en pharmacie. Et bien entendu que j'ai utilisé des huiles essentielles beaucoup, 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 beaucoup. Avec mon regard aujourd'hui hein, que j'ai sur cette dimension-là aussi, je me rendais pas compte que derrière un flacon, il y avait tout ça. Et j'en mettais quelques gouttes dans ma voiture, par exemple. J'en mettais facilement, j'en dispersais très facilement. Et au fur et à mesure que j'ai intégré, en fait, ce regard-là sur le vivant derrière un flacon, sur tout ce travail, ce respect, cette éthique du monde végétal, puis sur moi-même aussi, hein, eh bien, l'utilisation des huiles essentielles dans ma vie a profondément changé. Et je le dis souvent, aujourd'hui, j'utilise beaucoup moins les huiles essentielles. Et pourquoi? Parce que j'ai surtout changé des habitudes dans ma vie. Des habitudes qui créaient des déséquilibres, des désordres émotionnels, par exemple. Donc, j'ai changé en fait mon hygiène de vie. Et c'est ce qui fait que j'utilise moins les huiles essentielles, parce qu'il y a moins de déséquilibres, parce que j'ai moins de problèmes de santé, moins enrhumés, par exemple. Voilà, il y a des choses qui ont changé. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, quand je suis face à une problématique, une douleur, un dysfonctionnement, une inflammation, voilà, peu importe où se situe le désordre, c'est que mon réflexe n'est pas forcément d'ouvrir un flacon, de me dire tiens, cette huile, elle va m'aider, clac, 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 je fais, on n'en parle plus, je reprends le cours de ma journée. Non. Je me pose déjà des questions très rapidement sur tiens, pourquoi il y a un déséquilibre? D'où vient ce déséquilibre? Sur un plan physiologique, sur un plan émotionnel, énergétique, je vais aller observer. Et c'est ce que je veux vous inviter aussi à faire aujourd'hui. J'en parle aussi très souvent, c'est de prendre cette habitude, de vous poser ces questions avant d'ouvrir un flacon d'huile essentielle, de vous dire, tiens, à la place d'utiliser une huile, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelque chose que je pourrais changer de moi-même dans mes habitudes? Alors, ça nécessite, oui, de s'interroger, de s'informer, d'aller chercher des réponses, de comprendre aussi comment notre physiologie fonctionne aussi, comment nous impactent les événements, de faire aussi, comment dire, éclaircir un peu ce qui est d'ordre émotionnel, ce que je traverse, l'émotion en ce moment qui est présente en moi, de prendre un temps déjà de se poser intérieurement, d'observer, de faire un état des lieux. Et puis de se poser des questions à soi-même, de se parler, de s'auto-coacher, peut-être même. Tout dépend, voilà, comment vous fonctionnez avec vous-même. Et ensuite, quand vous y voyez plus clair, que vous voyez d'où vient le désordre, ça dépend bien entendu, je fais une généralité, mais face à un rhume, on n'a pas forcément envie de se poser 15 000 questions, mais peut-être tout de même, si on tombe fréquemment malade, on est souvent enrhumé, il est important de voir, oui, notre niveau de vitalité, notre rythme de vie, la place du stress dans notre vie. Est-ce qu'on se repose? Comment on dort? Vous voyez, il y a plein, plein de questions à se poser et qu'il faut savoir qu'ouvrir un flacon d'huile essentielle ne résout pas tout. J'ai travaillé pendant 10 ans en pharmacie et j'ai vite eu cette étiquette-là parce que j'ai accepté de l'avoir aussi, cette étiquette, pour faire des conseils très rapides, parce qu'il faut être rapide souvent en pharmacie, ce qui me gênait beaucoup parce que j'aime écouter les personnes et surtout comprendre pourquoi il y a ces symptômes, voir au-delà des symptômes.
Et du coup, je posais toujours beaucoup de questions, mais à la fois, on peut avoir ce réflexe parfois en tant que conseiller en aroma ou client, c'est on veut résoudre le problème tout de suite. On veut une solution rapidement parce qu'on n'a pas le temps dans notre vie, on a tellement de choses à gérer et qu'on se dit c'est super, c'est naturel, c'est concentré, c'est efficace, allez hop, qu'est-ce que je peux prendre quoi? Et souvent, ça fonctionne, oui. Enfin, c'est une sinusite, un rhume, une angine, d'une manière très ponctuelle, aiguë. On va avoir des résultats, bien entendu. Mais quand on est face à quelque chose de chronique, il est nécessaire de changer profondément des habitudes. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi l'aromathérapie, hein, quand j'ai fait mon école d'aroma. C'est arrêter de mettre les huiles dans des cases, de se dire telle huile, c'est tel symptôme, parce qu'on ne résout rien de cette façon-là. Toujours remettre, prendre de la distance, de la hauteur et pouvoir soi-même se regarder sous différents angles, sous différents aspects et sous toutes nos sphères aussi. Et donc, je voyais bien qu'il y a des personnes qui revenaient parce que, par exemple, les infections urinaires qui revenaient sans cesse, tous les mois, ou des mycoses. Et que bah, moi-même aussi, j'ai eu des problématiques de cet ordre-là et des choses très récurrentes. Et que les huiles ou le naturel, enfin les produits naturels, ne résoudaient pas toujours les problèmes. Enfin, pourquoi? Parce que il y a à aller voir aussi. C'est complexe et simple à la fois, mais les huiles sont toujours un soutien. Toujours. C'est quelque chose qui vient d'extérieur, qui peut agir de différentes façons pour vous soutenir. Elles peuvent agir directement sur un symptôme, sur un plan purement mécanique, physiologique, avec la puissance de leurs molécules biochimiques qui ont des actions précises, différentes actions, hein, mais précises au sein de votre biologie. Elles ont également un aspect, une action vibratoire, elles ont un langage psycho-émotionnel, donc elles peuvent nous aider sous plein d'angles, sous plein d'aspects. Et moi, ce que je peux comprendre aujourd'hui, c'est que oui, elles peuvent faire partie de votre chemin, donc c'est très chouette d'être accompagnée par elles, mais ne misez pas tout sur les huiles essentielles ou les hydrolats. Ce sont toujours des compléments sur votre soutien, une aide extérieure, d'accord, qui vont vraiment venir soutenir votre intention de guérison, votre intention de guérir. Et attention, la guérison prend plein de formes différentes. Ça ne veut pas dire que tout disparaît, que les symptômes ne s'expriment plus du jour au lendemain. C'est ça prend du temps, mais c'est un soutien sur votre chemin, mais tout part de vous, uniquement de vous. Ça, c'est très très important parce que j'ai vu tellement de personnes me réclamer, vous voyez, à tout prix des résultats avec les huiles. Tiens, quelle huile je peux prendre, mais j'ai ça, et c'est etc. Et j'ai jamais été très à l'aise avec ça parce que je sais que cette méthode-là ne résout rien fondamentalement à des problématiques récurrente et chronique. Ça nécessite vraiment de se voir, de se vivre autrement. Je prends un petit temps pour lire vos éventuellement ce que vous avez partagé. Ok. Bah oui, Emmanuel, tu prends en cours de route et tu pourras regarder le début en replay. Alors, Pascal, tu me parles d'un livre, Michel Odoul. C'est une très bonne aide. Bien entendu, Michel Odoul, qui a écrit un livre notamment sur Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Ou oui, on travaille avec la symbolique. Voilà, donc j'en viens justement à ça. C'est que la guérison, elle vient de vous, d'accord? Elle part de l'intérieur et elle intègre tellement de paramètres. Des paramètres qui dépendent de vous et qui dépendent aussi de vos ancêtres, par exemple, qui dépendent de votre vie intra-utérine. Il y a beaucoup de choses à explorer. Tout ne se fait pas en une fois. Tout cela se fait sur votre chemin, à votre rythme. Et on a besoin
et bien des uns des autres pour ça, pour apporter cette compréhension. Je trouve que la meilleure aide qui soit, c'est l'humain en fait. L'humain aide l'humain. Donc, vous voyez, je pars de pourquoi et comment développer une utilisation consciente à vous parler finalement de l'humain. Parce que oui, c'est grâce à l'humain qu'on peut avoir la chance de se soigner avec les huiles essentielles, avec les hydrolats, avec la phytothérapie, la gémothérapie. Enfin, voilà, c'est grâce à l'humain aussi qu'on découvre tout le potentiel de l'être humain qui est infini. Et c'est vraiment, comme je le dis, on met au service nos compétences, on met au service notre propre médecine aussi pour accompagner l'autre, sans position de sauveur et de sauvé, hein, absolument pas. Voilà, tout ça depuis le cœur. Et que les huiles, c'est sûr, m'ont permis de comprendre énormément de choses sur moi. Et j'ai bien compris que finalement, tout partait d'une question. Tout partait d'un point de départ, là, à l'intérieur de moi, et l'huile m'aidait à dérouler le fil. Et j'ai toujours été accompagnée aussi par des êtres humains merveilleux pour m'aider sur mon chemin, et j'ai toujours choisi de cœur à cœur. Voilà. Donc, ça, c'est important. Je pense que vous le savez ou vous en avez conscience. Voilà, n'hésitez pas à me partager aussi votre retour, comment ça résonne pour vous par rapport à ça. Parce que ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on ne peut pas miser sur quelque chose aussi qui est à l'extérieur de soi. Donc les huiles essentielles, les hydrolats, pour ne pas être dans la surexploitation du végétal en fait, des plantes, d'accord? C'est pas infini aussi. Il y a un profond respect à avoir pour le végétal, et pour moi, les productions industrielles, c'est pas compatible avec le respect, avec le bon sens. Voilà, quand on voit la façon dont ils exploitent le végétal, dont ils le maltraitent, pour moi c'est de la maltraitance, c'est pas possible en fait. Et je vous en parle souvent et je sais que vous y êtes sensible, de vraiment privilégier les petits producteurs. Ou en tous les cas, des laboratoires, donc c'est le cas d'Auchady, qui privilégie les petits producteurs. Derrière un flacon, vous avez un seul producteur et pas un rassemblement de plusieurs productions. Vous n'en avez qu'un seul, en fait, producteur. Et Auchady travaille vraiment avec cette conscience-là de rencontrer le producteur, de vraiment rencontrer, enfin de rentrer dans son univers et de le sélectionner en fonction de la qualité de son travail vis-à-vis des plantes, du végétal qu'il cultive. Ils ne sont pas choisis en fonction de leur rendement. Voilà, c'est la qualité en premier, avant même la quantité. Et de vous intéresser, de vous tourner vers les petits producteurs autour de chez vous, par exemple, les petits producteurs en France. Voilà. Ça aussi, c'est extrêmement important. Et sachez aussi, pour vous redonner des chiffres en termes de rendement, hein, pour avoir conscience que derrière un flacon d'huile essentielle, il y a parfois une très grande quantité de plantes. Par exemple, je vais raisonner en termes de flacons, d'accord? Donc, derrière un flacon, par exemple, d'huile essentielle de clou de girofle, de 10 millilitres de clou de girofle, il y a 63 grammes de boutons floraux. Et derrière un litre d'huile essentielle de clou de girofle, il y a 7 kilos de boutons floraux. OK? Ensuite, pour l'huile essentielle, de lavande vraie, lavande fine. Derrière un flacon de 10 millilitres, il y a un peu plus d'un kilo de sommité fleurie. Un kilo, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. Pour les licrises italiennes, pour obtenir 5 millilitres d'huile essentielle, il faut 4,5 kilos de plantes.
pour 5 millilitres. Donc il en faut 9 kilos pour 10 millilitres. Et dernier exemple pour la mélisse, il faut 22 kilos de feuilles pour obtenir 5 millilitres. Donc ça nécessite un énorme travail pour obtenir un flacon d'huile essentielle. Donc là, il est extrêmement important de voir ces flacons comme des concentrés précieux et de ne pas les utiliser à outrance, de les gaspiller. Et il y a par exemple quelque chose qu'on peut améliorer, c'est la diffusion des huiles essentielles. C'est vrai que j'en parle hein, dans mes cours, j'apprends à diffuser, je donne des informations pour pouvoir les utiliser de façon sécuritaire, mais il est important de ne pas en diffuser à outrance parce que un diffuseur, enfin souvent quand on diffuse des huiles, il faut quand même beaucoup d'huile essentielle. Enfin, quand on diffuse dans des grandes pièces, en fonction de la taille des diffuseurs, on veut vite y aller à 5 à 10 gouttes et diffuser peut-être 20 minutes, 30 minutes. Enfin, ça, c'est le raisonnable, hein. Mais je sais que ce n'est pas toujours le cas et que parfois, on peut diffuser très souvent, tout au long de la journée. Tout dépend du niveau d'information qu'on a aussi, d'accord? Donc là, attention, parce que je trouve que du coup, on tombe dans le gaspillage lorsque l'on diffuse excessivement les huiles essentielles. Avant même de diffuser des huiles, tout simplement, on aère notre espace de vie. Ça, on en parle, on le sait, 5 à 10 minutes, c'est déjà suffisant. Et on peut diffuser. Voilà, une essence de citron par exemple, pour pouvoir assainir l'atmosphère. Mais aujourd'hui, enfin, moi je diffuse plus beaucoup parce que justement, parfois je trouve que c'est du gaspillage. Voilà, ça m'ennuie quand on sait aussi qu'on fait venir des huiles essentielles de très loin jusqu'à chez nous, de me dire je diffuse du Ravintsara par exemple chez moi. Aujourd'hui, moi personnellement, ça me dérange un petit peu. Voilà, tout ça c'est sans jugement, hein. Juste je pose des choses et ensuite vous voyez comment ça fait sens aussi. Voilà, pour vous dans votre pratique. Quand on veut faire un travail très profond avec les huiles sur un plan émotionnel, à la place de diffuser des huiles essentielles, j'incite toujours à les respirer au flacon ou à déposer une goutte sur une touche à sentir qu'on peut garder avec soi. Et si l'huile essentielle le permet, oui, on peut la mettre sur notre poignet si elle n'est pas photosensibilisante ni irritante. Mais bon, moi, je préfère sur une touche à sentir ou au flacon ou entre mes mains. Et ça a un impact beaucoup plus profond qu'une diffusion. D'accord? Donc, toujours de se poser des questions. Pourquoi je veux utiliser une huile essentielle? Tiens, alors attends. Est-ce que je pourrais pas. Peut-être, on peut avoir aussi le réflexe de se dire, en cas de stress, ou en cas d'inflammation, ou en cas de tout désordre, de prendre quelque chose en interne. Parce que le monde pharmaceutique nous éduque à ça aussi. Entre guillemets, hein, on a un problème, on prend un truc, on avale, et ça se résout ou pas. Bon. Et parfois, on peut avoir aussi cette idée qu'avec l'aroma, c'est pareil. Et bah non, la voix interne n'est pas la première intention. Pour moi, la première intention, oui, c'est de se poser des questions. Et en cas de stress, oui, hein, j'ai appris à conseiller des huiles essentielles en interne. Oui, j'en ai conseillé lorsque j'étais en pharmacie. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul et de pratique et d'expérience, pour moi, face à un stress, des émotions intenses, les deux meilleures voies sont la voie olfactive, respirer en conscience une huile et
l'application par voie cutanée d'une à deux gouttes avec de l'huile végétale et on vient se masser. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est vous, votre posture face à ce que vous traversez. C'est de prendre le temps de vous poser, d'accueillir ce qu'il se passe avec bienveillance, avec respect, douceur, compassion pour vous. Et déjà de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour moi-même avant de courir après quelque chose extérieur pour venir court-circuiter quelque chose. Mais quand il y a une grande détresse, bien entendu que c'est parfois compliqué d'avoir cette intention ou cette posture et que il va y avoir des huiles SOS qui vont nous aider à apaiser notre nerf vague, notre système sympathique par exemple, pour revenir dans la détente et ensuite d'y voir plus clair. Oui, parfois, une huile va être la première intention. Ça va être le SOS. Et ensuite, une fois que vous sentez que ça se calme, ça se dépose, prenez le temps d'observer pourquoi ça s'est affolé à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui a conduit à ça? Voilà. Posez-vous des questions et demandez un soutien extérieur, un accompagnement avec un thérapeute pour comprendre aussi, vous vivez ça, vous traversez ça, surtout si c'est chronique, etc. Tout a un sens, hein, dans ce que vous traversez. Vais regarder ce que vous partagez. Emmanuel, donc oui, il faut un travail intérieur en complément des huiles essentielles. Et Céline, quand on a des problèmes chroniques, il est difficile de les accueillir avec bienveillance. Oui, ça dépend de... Moi, la première, je connais ça, d'avoir des problèmes chroniques et de se dire, pour être poli, hein, ça nous embête beaucoup. J'ai appris avec l'expérience à accueillir ça d'une autre façon, parce que j'ai compris que j'avais une part de responsabilité à un certain niveau, en fait. J'ai compris que face à une problématique chronique, et notamment moi, dernièrement, je souffre, enfin, je souffre, j'ai une problématique de dos, d'hernie discale, avec, enfin, j'ai fait une sciatique, hernie discale, j'ai été immobilisée. Et ce mot de dos, je l'ai traîné pendant très très longtemps. Et c'est à la fois épuisant cette douleur, c'est parce que c'était devenu chronique, ça m'a complètement immobilisée. Et j'ai accueilli, enfin en tous les cas, c'est mon chemin qui m'a permis aussi de le vivre à ce moment-là comme ça. J'ai aussi accepté de le vivre autrement, de l'accueillir autrement et de prendre un temps. Ce qui m'a permis de le faire, c'est de venir rentrer en dialogue avec mon corps. Parce que votre premier partenaire, c'est votre corps. Et j'ai pris un temps pour rentrer dans cette douleur, dans cette zone, donc dans mon dos, et d'observer qu'est-ce que ça me disait en fait. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos, enfin plusieurs vidéos pour partager ça aussi, ce regard-là sur votre corps, sur ce qu'il exprime et rentrer en communication avec lui. Lorsque vous rentrez en communication avec votre corps, vous avez toutes les réponses. Du moment que vous souhaitez voir la vérité, que vous souhaitez lever le voile sur ce qu'il se passe en vous et que, comment dire, que vous décidez d'arrêter de subir et de comprendre ce que votre corps a à vous dire, ça change énormément de choses. On sort des résistances. Parce que oui, quand ça devient chronique, il y a beaucoup de résistances. Moi, je suis dans cette posture où à toujours vouloir, enfin toujours, en tous les cas, à accueillir les informations dont j'ai besoin. Donc ça passe bien entendu par mon corps, par les parties élevées de moi et de mettre du sens, de mettre du symbolisme avant parfois même, enfin j'ai des livres pour comprendre le symbolisme, mais déjà j'interroge mon corps. Qu'est-ce que ça me dit? Quelles sont mes pensées, par exemple, qui sont accrochées dans cette douleur, dans cette problématique chronique?
Voilà. Autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que justement, ce qui est important, ce qui fait aussi qu'on peut réduire la quantité d'huile essentielle qu'on achète, c'est d'acheter des huiles essentielles de qualité, mais de qualité élevée. Et il faut savoir que plus une huile, elle est de qualité, plus elle sera efficace et moins vous aurez besoin de grandes quantités d'huile essentielle pour avoir des résultats. Vraiment. Et de cette qualité, bien entendu, va dépendre aussi tout ce pouvoir vibratoire, olfactif de l'huile essentielle. Et ça, vous le retrouvez principalement dans des productions artisanales. Faites la comparaison, vraiment, entre une production industrielle que vous allez trouver en grande surface, parce qu'on en trouve maintenant en grande surface des huiles essentielles, en pharmacie par exemple, et des huiles que vous allez acheter chez des petits producteurs. Comparez, vraiment. Et pour comparer, l'outil qui vous permet de comparer, il est là, votre nez. Un nez, il s'éduque. Un nez vous relie à votre intériorité, à vos sensations, à votre cerveau limbique, bien entendu, mais va venir nourrir tous vos sens. Et quand vous ouvrez un flacon d'huile essentielle de qualité et un autre de qualité médiocre pour deux mêmes huiles, hein, deux mêmes plantes, vous allez tout de suite sentir la différence. Alors bien sûr qu'après, on peut mesurer tout ça au pendule avec les outils que vous avez expérimentés. Alors Emmanuel, je relis vos commentaires. Donc oui, c'est ça. Rentrer en communion, comme l'union avec son corps, c'est important et donne des informations par le pourquoi du comment. Dites-vous hein, vraiment quand on émettre des mots MOT au mot MAUX. Quand on me disait, quand j'entendais, je lisais dans des livres, toutes les réponses sont en nous. Je me disais oui, enfin toutes les réponses sont en nous. C'est une question, enfin c'est une réponse très simple, raccourcie. Ils sont bien gentils, mais ouais, non, là c'est bon, ça fait 10 ans que je tourne. Non, non, j'exagère. Je me disais pas ces phrases, mais ça fait un moment que je tourne autour du truc et j'en avais marre de cette phrase toute faite. Mais aujourd'hui, oui, je comprends véritablement ce que veut dire cette phrase et toute l'importance qu'elle a. Oui, toutes les réponses sont en nous. Et parfois, on a besoin, oui, d'un soutien extérieur pour nous aider à enlever certaines couches. Mais en fait, le point de départ, et c'est ce que j'aurais voulu savoir dès le début, en fait, c'est que les réponses sont en nous. Et pour y avoir accès, c'est d'apprendre à rentrer en connexion avec son corps. Point. En fait, c'est vraiment, c'est ce que j'apprends à mes enfants, ce que je souhaite vraiment leur apprendre sur leur chemin. C'est qu'est-ce que ça fait en toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça dit? Et plus, bon, mon aîné a 6 ans et demi, il est encore jeune, mais je le sensibilise déjà à ces questions-là. Et qu'est-ce qui te dit ton corps? Tiens, t'as ça. Et qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça éveille en toi? Pour toujours revenir à l'intérieur, de prendre cette habitude, parce qu'on nous a éduqués. Cette santé, par le pharmaceutique, nous a éduqués plutôt au fait qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on ne sait pas, nous a, oui, dépossédés de notre pouvoir. Et là, on réapprend, en fait, qu'on a du pouvoir, qu'en fait, notre seul pouvoir est intérieur dans notre guérison. Et qu'en fait, oui, on peut avoir un soutien, mais l'autre ne peut
possède pas, les meilleures réponses sont à l'intérieur. L'autre peut nous donner une guidance, peut nous dire ce que lui, il perçoit depuis l'extérieur. Depuis son expertise, il peut nous donner une autre vision de ce qui se trame en fait et comment les choses sont imbriquées. Il peut nous conduire à la racine, mais c'est vous, hein, qui vous êtes le maître pour y aller dans cette racine. À chaque fois, ça me ramène à voilà, parfait, Emmanuel. Le pouvoir, en deux mots, pour voir. Totalement. J'aime beaucoup cette lecture des choses. C'est ça, c'est pour voir. Et aujourd'hui, de nouveau, mon fil conducteur, et c'est ce que aussi je dis toujours aux personnes que j'accompagne, c'est de vous mettre aussi, de vous amener dans cette posture de voir, de conscientiser, d'être sur ce chemin de vérité, de connaissance de soi et cette, enfin, la vie. C'est infini ce que cette connaissance de soi. Et c'est beau, on découvre plein de cadeaux. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, cette notion de qualité est importante et vous la retrouvez principalement chez les petits producteurs. Voilà, en fait, je vous ai partagé vraiment tout ce que j'avais envie de vous dire, de continuer en tous les cas à vous dire sur ce thème-là. Moi, aujourd'hui, ma posture, elle est plus de vous dire tel symptôme, telle huile essentielle. Je le fais encore dans certains cas de figure. J'enseigne l'aromathérapie, donc je suis cette. Enfin, comment dire, j'en passe par là, entre guillemets. Mais ce qui soutient aussi tout mon travail, c'est vraiment toujours de vous ramener au cœur de votre démarche, de vous inviter à vous poser des questions sur le pourquoi, d'accueillir depuis votre cœur, depuis votre présence. Et c'est vrai, il y a tellement de façons de se rencontrer aussi, de remettre de la cohérence entre votre tête, votre cœur, votre corps. Et tout ça se fait au fur et à mesure. Et vous savez aussi que une façon aussi de peut-être d'utiliser moins les huiles essentielles, et c'est d'apprendre à se connecter au végétal sans passer aussi par un flacon d'huile essentielle. Ça aussi, je l'ai appris sur mon chemin. On le fait au contact de la nature, déjà auprès d'un arbre. Mais on le fait également, par exemple, si vous avez envie de rencontrer une plante et que vous savez qu'elle est loin, elle est peu cultivée et que ça vous embête voilà, de l'acheter pour des raisons, on va dire, éthiques, écologiques, etc. Eh bien, vous avez cette capacité à vous connecter à la plante. Le mental aime bien avoir une idée de tiens, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me connecter à quoi? À qui? Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Non, j'y arrive pas. Donc, déjà, d'aller voir une photo de la plante, du végétal, à quoi il ressemble. Vous pouvez vous intéresser à l'histoire de la plante. Et bon, là, bien sûr, on est dans une démarche très subtile. Ok, mais c'est beau aussi. Et ensuite, bien de poser cette intention dans un espace-temps de méditation, d'intériorisation. Une fois que vous en avez appris sur l'huile essentielle, et bien juste de poser cette intention. J'invite telle huile essentielle, alors telle plante, on va plutôt dire ça, telle plante. Je pense à une huile. Voilà, je pense à une précisément, c'est le Manavao. Mavao, pardon, moi je ne sais même plus son prénom, qui vient de Madagascar. Et cette plante, donc, qui est peu connue, qui est peu distillée,
Juste déjà de savoir qu'elle existe, qu'elle est là, c'est déjà une source d'information en fait. Et vous pouvez appeler cette plante ici, devant vous, juste en posant cette intention. Vous avez un visuel, alors vous l'imaginez devant vous, dans son écosystème naturel. Et puis vous imaginez que vous pouvez faire un temps d'ancrage, une plante, un végétal est enracinée. Et vous avez aussi vos propres racines. Vous pouvez imaginer que vos racines rencontrent ces racines et que votre cœur se connecte au cœur subtil de la plante et vous laissez faire. Et tout ça se fait dans une inspire et dans une expire à la rencontre. C'est aussi simple que ça. Et laissez faire. On peut avoir la sensation peut-être de ne rien sentir. Ça peut passer en fait par différents canaux, ça peut passer par la clair-olfaction, on peut vraiment capter des odeurs, ça peut passer par des images, par des pensées voilà, plus élevées, parce qu'on se dit, tiens, est-ce que c'est mon mental? Est-ce que juste laisser faire dans une grande ouverture du cœur? Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Alors, Céline, merci pour votre approche et vos conseils. Avec joie. Emmanuel, oui, c'est bien de se connecter au végétal et d'aller à la rencontre de celui-ci. C'est fabuleux, je le conseille. Oui, symbolique, histoire, couleur, etc. pour accueillir et se l'approprier. Exactement. Marie-Laurence, moi, je prends souvent le flacon avec moi la journée sans l'ouvrir et ça fonctionne super bien. Je suis 100% d'accord. Céline, ou... On peut très bien fonctionner comme cela en binôme avec la sophrologie par exemple. Tout à fait. Mais en fait, cette dimension-là, elle est valable pour tout. Pour tout. Sachez que, en fait, votre puissance, elle se trouve dans votre cœur. Dans l'ensemble de votre être, oui. Mais la puissance du cœur. Cultivez cela dans votre quotidien, la puissance du cœur. Le cœur est un vortex extrêmement puissant pour magnétiser ce dont vous avez besoin. Peu importe comment ça va se manifester, votre cœur reçoit, enfin il émet et il reçoit. Et donc, ça fonctionne. Bien entendu, rentrer en relation, en reliance avec le végétal, mais également avec l'être humain. Quand vous êtes accompagnant de l'humain, thérapeute, eh bien, je vous invite aussi à fonctionner de cette façon-là, en fait. Ça change totalement les choses. Et lorsque, en tant qu'accompagnant de l'être humain, et ça vaut pour toutes nos relations, hein, que vous vous placez dans votre cœur, que vous posez cette intention de vraiment œuvrer avec votre cœur. Et ça, au début, je posais cette intention, cœur, ouvre-toi. Cœur, active-toi. J'ai pris cette habitude de venir inspirer, expirer par mon cœur, d'écouter, de penser par mon cœur. Eh bien, c'est devenu de plus en plus facile et naturel, en fait. Et mon mental a moins de place, plus la même. N'empêche pas qu'il tourne, il sait aussi très bien tourbillonner, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous cultivez cette posture, vous apprenez à l'autre, d'une manière très naturelle, juste dans votre présence, à le faire. Et quand vous accompagnez l'être humain sur son chemin, eh bien, cette voie-là, de cœur à cœur, permet tous les possibles. Et je dirais même mieux. Quand vous aimez la personne que vous accompagnez, parce que vous vous aimez et que c'est naturel de vous aimer, vous allez naturellement aimer l'autre dans toutes ses dimensions. Et lorsque vous aimez l'autre dans toutes ses dimensions, qu'est-ce que vous faites? Vous lui permettez d'ouvrir toutes les portes qu'il peut ouvrir, qu'il est en capacité d'ouvrir, comme pour votre enfant. Juste le fait de savoir que vous êtes aimé,
que vous êtes accueilli pour qui vous êtes, permet tellement de choses. Et c'est là, le travail et la guérison se fait, repose principalement sur ça, sur l'amour, l'amour de soi et l'amour de l'autre. Je sais que c'est pas toujours évident à accueillir et intégrer. J'ai mis du temps et je l'apprends encore, vraiment, parce que je ne suis pas capable d'aimer tout le monde au premier abord. Il me faut aussi du temps, parfois. Mais et quand cela est possible, quand cela se fait, quand je suis gardienne d'un cercle, par exemple, tout ça se crée comme ça. Et c'est juste magnifique et merveilleux, ce qui est possible, en fait. Et finalement, on se rencontre que il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. C'est mon partage du jour qui est sincère et qui repose aussi sur ce que j'expérimente aujourd'hui et que les huiles sont merveilleuses, sont des présences merveilleuses. Elles peuvent être parfois miraculeuses, mais toutes les solutions, toutes les réponses sont en vous. Et que dans toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, les difficultés, sachez que tout part de vous, que apprenez à observer. Si c'est difficile pour vous, essayez de comprendre en fait comment tout ça se met en place. Parce que tout ce qui se manifeste à l'extérieur de vous, c'est le miroir de ce qui se vit en vous et de comment c'est imbriqué. En fait, tout ça est inconscient. Bien entendu, ça sous-tend toute une construction inconsciente. Et il y a plusieurs racines dans l'enfance, dans les ancêtres, chez nos parents, dans certains traumatismes, dans des vies passées, etc. Ce qui est important, c'est de le faire en conscience, ce chemin, dans la cohérence, dans la voix de votre cœur, et tout se dévoilera au fur et à mesure, tel comme si vous allez recevoir une pièce du puzzle, d'une expérience à l'autre, et là vous savez, vous y gagnez en conscience, en élévation de conscience, et au fur et à mesure vous ne vous vivez plus de la même façon. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai moins besoin des huiles essentielles. J'aime toujours autant à enseigner l'aromathérapie, vous apprendre à les utiliser sous tous ces aspects. Ça me passionne toujours autant. Mais ce qui est fondamental pour moi, c'est ça. C'est vous. Vous et comment tout ça s'est construit. Comment... voilà, la richesse de votre histoire aussi. Alors Emmanuel, oui, le cœur sait et relie. Emmanuel, encore, l'amour, la porte de tout, oui. Sandy, merci beaucoup. C'est la première connexion à ce type de vidéo et je suis ravie de vous avoir écouté. C'est très puissant et au-delà de ma vision des huiles essentielles. Ah, super, merci. Merci pour ton retour. Heureuse... que tu sois touchée par cela. Sachez en tous les cas que lorsque vous êtes touchée par ces mots, par ce regard-là, et nous y sommes de plus en plus sensibles, c'est une certitude, on porte ça en nous en fait, parce que nous sommes de plus en plus nombreux à changer et il y a vraiment une élévation de conscience, donc on se rend bien compte qu'on ne peut plus faire comme avant et ça devient même naturel, les informations sont de plus en plus accessibles et tout ça change au fur et à mesure et tout ça vous le portez en vous, tout ce savoir très intuitif, très instinctif, vous le savez, tout ça est en vous en fait. Quelque part, je ne vous apprends rien dans la mesure où c'est déjà en vous, cette sensibilité-là vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'humain, de la vie, de l'amour, du végétal. Je ne fais qu'éveiller ce que vous savez déjà. Tout comme on a des personnes extérieures ont éveillé ça en moi. Voilà. Donc, heureuse si en tous les cas ça fait sens pour vous et que ça puisse vous nourrir.
Oui, ça résonne. Nous sommes ce tout et cette unité. Ensemble, nous allons loin. Carrément. Pour moi, on évolue grâce les uns avec les autres, en fait. Nous formons tous une énorme matrice. Alors, il y a plein de matrices, hein. On est rattaché à différentes matrices, mais nous formons tous un réseau où et vous pouvez déjà le voir dans votre vie quand vous changez quelque chose. Eh bien, ça a un impact sur les personnes avec qui vous êtes reliés par le cœur. Vos enfants, votre mari, vos frères, vos sœurs, que cette démarche soit toujours pour vous, hein, mais ça a toujours une résonance. Parce que tout se joue dans la vibration. Voilà. Merci à chacune, à chacun pour votre présence, votre écoute, vos mots, votre douceur, votre amour, votre ouverture d'esprit, votre ouverture de cœur. Je suis heureuse d'avoir partagé cette nouvelle conférence, hein, ce nouvel temps de rencontre avec vous. Alors, pour vous donner aussi les prochaines rencontres, jeudi interviendra le 31 mars à 18h pour vous parler des erreurs les plus courantes à ne pas commettre avec les huiles essentielles. Moi, je vous fais une nouvelle conférence le mois prochain, le 14 avril, pour parler avec vous de cure détox avec les hydrolats. Et aussi pour vous donner toujours, je termine toujours avec ces petites informations-là, lors des conférences, je vous offre ce code, donc c'est offert par Myrtea, bien entendu, par mon intermédiaire. Ce code, c'est un code promo qui vous donne, qui vous permet d'avoir moins 15% sur toutes les formations que vous souhaitez, qui est valable une fois, faites une action, mais pour différentes formations. Et alors le code, c'est tout en majuscule, c'est Live Hello 23. En majuscule et tout accroché, L-I-V-E-E-L-O 23. Voilà. Voilà pour ça, ces informations. Je me présente jamais, en fait. C'est vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Elodie Bosson. Je suis guide sur le chemin de la connaissance de soi et je suis aussi aromathérapeute. Et donc, j'interviens tous les mois sur la page Facebook de Myrtea pour vous proposer une conférence sur différents thèmes. J'interviens énormément sur cet aspect-là très subtil de soi, de l'être humain aussi, du monde végétal. Mais j'ai aussi une... Enfin, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Le nom de mon entreprise, c'est Ayela Conscience. A-Y-E-L-A Conscience. Tout accroché sur Instagram. Et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook qui porte le nom de mon ancienne entreprise, Une Goutte d'Essentiel. Voilà. Prenez bien soin de vous, soyez à l'écoute de vos sensations, de votre intuition, de ce que vous sentez profondément en vous. Ne remettez pas ça en question. Voilà, faites-vous confiance, soyez dans la bienveillance du mieux que vous pouvez, sans pression. Et je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup à chacune.